Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Incendio Coloriage. Aujourd'hui, je suis là avec ma petite haul de chez Homard de Sœur. J'ai été là en fin de semaine, puis j'ai vraiment... Je me trouve sage parce que honnêtement, là, il y avait tellement de stock que j'aurais aimé. Fait que là, je tourne la vidéo. J'ai été dimanche, le 24, là, on est le lundi, le 25 juillet, puis j'ai hâte de prendre mes choses. Fait que là... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tasser ce sac-là, puis on va plonger dedans, sortir les items, puis on va regarder qu'est-ce que j'ai acheté. On va commencer avec mon seul livre que j'ai acheté, qui n'est pas ici dans le sac. Puis c'est le Coloriage Wild. Là, on va le regarder, tant l'avoir dans les mains. Je ne l'ai pas vu encore. Ben, j'ai vu des flips en ligne, mais pas en vrai. C'est mon premier livre de ça. Puis, je sais pas, je vais peut-être le colorier en or, je suis pas sûre. Mais il y en avait plusieurs, puis je savais pas lequel à choisir. Fait que j'ai dit, le premier, techniquement, c'est le plus vieux. Fait que je vais prendre le plus vieux. Wow, c'est beau. Ah, c'est avec les escargots, j'aime moins, mais c'est quand même bien. J'ai hâte de l'essayer. Très, très haute. Wow. J'aime beaucoup. Le papier, c'est cartonné. Là. Je vais peut-être sortir des aquarelles. Vu que c'est en double, je peux faire une en crayon, l'autre aquarellé avec mes aquarelles pour tester. Je sais pas. Je verrai qu'est-ce que je décide rendu là. J'ai vu la photo avec les tournesols, il y en avait un autre aussi, j'ai hésité entre les deux. Mais j'aime tellement colorier les tournesols. Ça a l'air qu'il y a 28 images, mais juste 14 uniques. Mais c'est pas grave, c'est tellement des belles images. J'ai jamais remarqué que c'était des petites tiges qui sortaient. Et voilà, ça c'est tout pour le coloriage Wild d'Emmanuel Colin. Fait que là, mon premier, probablement pas mon dernier. Ensuite, j'ai pris 4 polychromos qui commencent à baisser, tant être là. Fait que j'ai pris le White 101. Le Earth Green Yellowish 168. Si je ne me trompe pas, j'ai misère à lire le doré. Là. Light Cobalt Turquoise 154. Sur certains crayons, c'est plus évident que d'autres. Et le Violet 138 ou 136, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est un 8. Fait que ça, c'était les polychromos que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris C7. C'est un pastel à l'huile White Super Soft de Rembrandt. Ce que je veux, c'est. Je voulais un sonnelier, mais il n'y en avait pas. Mais ça l'air est assez crémeux. Regarde, si je pousse dessus, il sort sur mon doigt. Tu vois? Fait que j'espère d'être capable de faire un effet boucan avec. Je sais pas. On va voir avec le temps si ça marche ou non. J'ai aussi pris une autre peinture crépuscule. Celui-là, c'est le Dusk Yellow, crépuscule jaune. Je ne ferai pas le test parce que, écoute, c'est du noir avec du jaune. Puis j'ai eu misère à faire le dernier test. Fait que tu le verras dans mes colos futurs, puis je te le montrerai. Et la dernière chose, quelque chose que ça fait longtemps que je voulais, c'est le Winsor & Newton Or Bronze Métallique. Mais je vais t'avouer franchement, là, j'ai resté surpris de la taille. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il aurait été plus gros. Mais c'est un très beau couleur, regarde-moi ça. Je sais pas si tu peux voir. Fait que j'ai très hâte d'essayer ça dans mes colos. Je sais pas si je vais l'ouvrir, ça va-tu faire un dégât partout? On va voir. Non, plus gars. Fait que si j'aime ça, je vais probablement aller doucement puis en acheter quelques-uns d'autres, comme l'argent et le blanc. Fait que c'est ça. C'est pas un méga haul, c'est une petite chose, mais je suis très très content avec. Fait que
Je vais te montrer. J'ai fait des petits achats aussi en fin de semaine. Qui n'est pas du dessert, mais c'est un petit quelque chose. Je vais aller chercher. Je te reviens. Ça va être pas long. Je trouve que à des prix qu'on les a pognés, ça vaut la peine d'en mentionner parce que là, c'est temps d'entrée scolaire. Puis, après, tout le monde a des budgets infinis pour du coloriage. J'en sais de quoi. Puis, je me suis dit, c'est le temps de checker les circulaires pour les effets scolaires. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis, chez les gens que tu d'où est-ce que je reste? Regarde ça. 60 crayons, crayola, 5,99. C'est sûr, je l'ai pris. Excusez, je l'ai pris. Et aussi, les super tips, 2,99. Oui, c'est sûr, c'est pas les grosses boîtes, mais tu sais, quelqu'un qui commence, ou même moi. Puis en plus, il dit qu'il y a des métalliques dedans. Fait que, wouh, super cool. Fait que c'est ça, je voulais juste pour ajouter ça dessus. Je faisais pas une vidéo exprès dessus, mais tu vas voir les colos que je vais faire avec ces crayons-là. Fait que, avec ça, je vais te dire merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Puis, si t'as aimé mon vidéo, s'il vous plaît, likez. Si t'es pas abonné, s'il vous plaît, abonne à ma chaîne. Et avec ça, moi je vais dire merci. Bye bye, à la prochaine vidéo.